Bonjour à tous. J'espère que ça va bien chez vous. Allez, je vous retrouve pour un petit tuto. Je voulais vous montrer deux choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chez Action, ils nous avaient vendu pendant une petite période des Bouddhas comme ça, avec un petit peu de gravier et une plante au milieu. Donc ça donnait cet aspect-là. Moi, le Bouddha, je vais le réutiliser pour autre chose. Donc j'ai enlevé la petite plante style un peu succulente, hein, en plastique. Que je réutiliserai pour autre chose. Et en fait, le Bouddha, je voulais l'utiliser pour un autre, pour une autre solution. Tout simplement pour pouvoir poser, vous savez, quand on encre nos feuilles avec la mousse, et ben en fait, je voulais simplement, à l'endroit où il y avait donc la plante ici, tout simplement poser mon, voyez, mon pad comme ça, et le laisser sur mon bureau et pour pouvoir utiliser quand j'ai besoin et le ranger. Parce que je me rends compte que quand on scrape, il y a toujours un petit peu de désordre et ceci, ben, on est toujours en train d'y chercher. On y a toujours perdu. Donc je me dis, ben, pourquoi pas l'utiliser pour ça. Sauf que, vous voyez, il y a des traits blancs. C'est de la pâte de chez Action. Donc la fameuse pâte qu'on trouve dans le rayon enfant. Pourquoi j'en ai mis? Parce qu'en fait, j'ai utilisé un tournevis plat et un marteau pour enlever les petits graviers qui pouvaient me gêner. Et en fait, en tapant, eh ben, j'ai cassé le petit récipient à plusieurs endroits. Donc du coup, ben, je suis venue mettre de la pâte blanche de chez Action un petit peu de partout. Également à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus propre, on va dire, hein, voilà, pour moi. Et du coup, ben, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, c'est blanc. Et c'est pas très très joli. Donc je vais pas y faire avec vous, mais prochainement, voilà, je vais donner un petit coup de peinture grise. Qu'il faudrait que je voie avec quoi je pourrais faire. Il faut que je regarde ça ou alors que je dénature carrément mon Bouddha en marron ou en blanc. Je sais pas encore. Bon, écoutez, je verrai prochainement. Le dénaturé, il est un peu gris. Changer de couleur. Je sais pas. Enfin bon, voilà, c'était une petite astuce que je trouvais sympa, que je voulais vous partager. Comme ça, je pose le Bouddha, hop, je pose mon pad, et au moins comme ça, je sais où il est rangé. C'est toujours dans le souci du rangement, hein. Voilà. On essaye de ranger un petit peu. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai fait ceci. Donc l'idée ne vient pas de moi, j'ai trouvé donc sur YouTube le nom de la chaîne de la dame, c'est Sanger Scrap Manderley, il me semble. Avant de vous poster la vidéo, je retournerai regarder si je trouve le nom de la chaîne et puis je vous le mettrai en barre d'infos. En fait, faire des petits systèmes comme ça, j'ai trouvé l'idée vraiment très sympa. Donc moi, j'en ai fait plusieurs. Vous voyez, j'ai fait tout ça. Ma boîte est pleine. Vous allez me demander pourquoi tu as fait ça et à quoi ça va servir. Et ben, je vais y venir. Pourquoi? Voilà, plein de couleurs. Du bleu, du vert, du orange, du blanc, du crème. De la twine aussi, verte et blanche ou rouge et blanche. Du jaune, du noir, du rouge. Voilà. Aussi avec de la cordelette de couleur marron. J'ai fait toutes ces petites choses-là. Il y a encore des couleurs que je n'ai pas faites, hein. Du bleu, par exemple, du bleu foncé, du rose, du violet. Donc on va en faire un ou deux ensemble. Alors, hop, je vous montre tout et après je vous explique. Voilà, j'ai fait tout ça. Et bien, pour faire des petits embellissements, et je trouvais l'idée vraiment très sympathique. En fait, l'idée, c'est quand vous faites une créa, une carte, un folio, un album, ou ce que vous voulez en fait. Tout dépend vos créations, enfin l'idée de vos créations. Et en fait, l'idée est de. Alors, je suis en train de chercher un truc. Hop! Voilà.
admettons, ça c'est ma coupage de couverture, on va dire d'un livret. Voilà. Je vais un petit peu me découper. Hop, pour vous expliquer un petit peu mieux hein, l'idée en fait. Donc je découpe un peu mieux pour dire de. J'aurais dû préparer ça avant. Pour vous expliquer l'idée. Si je prenais au massicot, ce serait peut-être mieux. Hein. D'ailleurs, il faut que je change la lame. Enfin, au moment où je le dis, j'ai vu qu'il y avait des soldes sur Craftelier. Vous savez, pour trouver la lame rose de We Are Memory Keeper. Mais le problème, c'est que les soldes à Craftelier sont, oui, très bien. Mais le problème, c'est que c'est en rupture de stock. Donc, ben, j'ai pas pu la commander. Parce qu'il n'y a plus de stock, en fait. Et oui, je suis allée voir sur le site trop tard. Donc, l'idée est, hop, de, on fait le plus gros là, proprement, mais bon, c'est tout déchiré. Oui, parce que la lame, elle est abîmée. Alors, hop, et mes ciseaux sont pleins de colle, comme d'habitude. Voilà, là, ça ira mieux. Donc, je vais juste enlever cette partie-là. Je vais me mettre là. Pour pouvoir faire le petit projet. Et vous expliquer pourquoi j'ai fait des petits ronds comme ça, avec de la colle. Et, mince, j'ai besoin de ça. De la colle et de la cordelette, de la ficelle, de la laine. Vous allez voir, on peut faire avec plein plein de choses. Alors, je tombe à 21. Alors, attendez. Il va vraiment falloir que je change la lame. Là, ça devient urgent. Voilà. Donc, en fait, l'idée est de, admettons, ça c'est pour un futur projet. Donc, 21. Donc, ça fait 10. 10. Donc, 10. Et 11. Admettons, là, j'ai envie de me faire un petit projet sympathique. Hop. Et en fait, ce projet sympathique, eh ben, je veux le fermer. Sauf que je ne veux pas le fermer classiquement avec du ruban. Vous savez, comme on peut faire. Comme ça nous arrive de faire avec bah simplement du ruban. Alors. Alors, que je trouve un ruban voilà, qui peut faire office. Admettons, voilà. Vous voulez faire votre petit projet. Vous avez mis vos pages. Hop. Et vous en êtes là. Et vous voulez donc fermer ceci. En général, on a tendance à mettre un ruban. Donc, dans l'idée du ruban, c'est de faire. Hop, si ça veut bien venir. L'idée du ruban, c'est de. En général, c'est ce qu'on a tendance à faire, le plus souvent. Hein. C'est de mettre un morceau de ruban comme ça, de le coller et de le faire revenir ici. Pour pouvoir fermer notre projet. On est d'accord. Et bien en fait, là, l'idée, c'est de placer un rond ici. Et un rond de la même couleur sur l'autre extrémité, comme ça. Et de ce fait-là, on a tendance à prendre une cordelette ou autre, à passer cette cordelette, comme ça, sur l'arrière. Hop. Alors, admettons, comme
comme ça, là, de tourner notre cordelette autour, hein, ça on sait tous faire, et de le faire revenir de l'autre côté pour pouvoir fermer le projet. Hop, de cette façon-là, votre projet sera fermé. Et en fait, eh ben, ceci, c'est pour ça. Vous pourrez le coller, vous pourrez coller bah, des strass, des demi-perles dessus. Vous serez libre de coller ce que vous souhaitez sur votre rond. Hein, par exemple, là, je trouve une petite demi-perle. Hop, voilà. Vous pourrez mettre un strass. Un strass. Je prends les premières choses qui me tombent sous la main. Hein. Un strass. Par exemple, voilà, au centre, pour décorer votre rond. Ou alors, vous pourrez mettre une attache aussi parisienne. Par exemple, l'idée aussi était sympa. Donc, l'attache parisienne. Hop! On prend ce qu'on a. Attache parisienne. Admettons, là, c'est pour Pâques. Voilà, c'est jaune. Vous faites un trou par le centre. Voilà, tac. Et de cette façon-là, vous n'avez plus qu'à passer une attache parisienne au milieu. Donc là, je vais passer violet. C'est pour le thème de Pâques, par exemple. Hein. Vous placez votre attache parisienne au centre. Hop, vous le placez sur votre projet et vous fermez. Voilà. Ça vous fait un petit truc sympathique. Et là, vous pourrez librement passer une cordelette dessous. Donc, en fait, voilà pourquoi ces petites choses de forme ronde sont faites. Et j'avais trouvé l'idée vraiment très sympathique. Et j'ai dit, eh ben, il faut que je partage avec les filles. Donc, comme je vous ai dit, je crois que c'est Stan Scrap Monderley. Mais je revérifierai et je vous mettrai le nom en barre d'information si vous voulez aller découvrir sa chaîne. Donc voilà, moi personnellement je la suis, donc j'aime beaucoup des fois ce qu'elle fait, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Et du coup, nous allons faire des petites choses comme ça ensemble. Alors, comment on fait? Là, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est même très très simple à faire. Je vais juste ranger tout ça là, pour éviter que ça m'encombre. Et pour avoir la place pour vous montrer comment j'ai fait et je vous explique un petit peu comment on peut réaliser ceci. Donc j'en ai fait pas mal, ça m'a pris du temps. Donc au début, bah, c'est un coup de main à prendre. Bon, c'est vrai que c'est pas très très évident au départ, mais une fois qu'on a le coup de main, c'est vraiment très simple à faire. Voilà. Donc ma boîte est bien pleine, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Hop, une boîte bien pleine. Donc, pour faire ceci, il vous faut plusieurs choses. Il vous faut déjà une perfo ronde. De dimension, alors là je sais plus la dimension de ma perforatrice là. Faut que je regarde. Alors celui-là il fait à peu près 2 cm. Un rond de 2 cm de diamètre. Après, si vous voulez faire plus petit, allez-y, mais plus petit ça doit être pas évident. Moi c'est du 2 cm. Il vous faut une chute de papier. De couleur marron, moi je suis partie sur le marron, donc je reste sur le marron. Voilà, donc bah, simplement vous faites des ronds dans votre papier, dans votre chute de papier ou même dans votre papier si vous n'avez pas de chute. Hein. Hop, voilà, vous faites des ronds hein, tout simplement. Donc moi je vais faire des ronds, j'en fais deux de chaque au niveau coloris, vu que comme là je vous ai montré sur le projet. Après, vous pouvez en faire plus. Moi, je fais deux de chaque couleur. Et comme ça, au moins, je sais que j'en ai deux d'une certaine couleur, que si j'ai besoin de plus ou pas.
Donc là. Donc deux. Donc je fais mes ronds, tout simplement. Hein. Voilà. Ça permet aussi d'utiliser les chutes, hein, qui n'est pas négligeable. Donc voilà vos ronds. Ensuite, il faut savoir que plus vous allez utiliser un fil le plus fin possible, et plus ça va être compliqué. Moi j'ai testé la laine de cette grosseur là. Donc c'est des petites pelotes de laine qui nous venaient de chez Action. Donc ça va au niveau grosseur. La twine, ça va aussi. C'est pas trop compliqué. Par contre, ce qui est galère, c'est les fils de coton. Vous savez que des fois qu'on utilise en canevas ou qu'on utilise pour broder. Par contre, là, le fil est vachement plus petit, plus fin. Et c'est quand même vachement plus compliqué à travailler. J'en ai fait avec ce fil-là. C'était une chute qui me restait, donc j'en ai fait 2-3. Comme ça, là. Et ben, c'est super, super, super dur. Parce que plus c'est fin et plus c'est compliqué. Donc ce style-là, c'est vachement fin. Le fil est fin et c'est vrai que pour tourner, c'est pas évident. Donc moi, il me restait du rose à faire. Je voulais faire du violet. Donc ça, c'est pareil. C'est une petite pelote qui vient de chez Action. Je voulais faire un vert plus clair, donc là. Et je voulais faire un bleu plus foncé, qui est là. Voilà. J'avais encore ces couleurs-là à faire. Je voulais aussi faire un peu de twine blanche et noire. Et je voulais faire un peu de bleu, comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc là, j'ai déjà du rose de coupé. Donc ça devrait suffire. Hop. Allez, bon, je ne vais pas faire tout avec vous, mais je voulais vous montrer deux sortes. Donc la laine là comme ça, la trois sortes, pardon, la twine et voilà. Je vais faire ces trois là. Hop. Donc il vous faut ça, ça. Il vous faut de la colle. De la colle. Alors moi la colle, j'avais pris de la taquiglu. Alors la taquiglu, je ne sais pas ce qu'il me reste, mais il me reste pas lourd. C'était pour histoire de passer ma taquiglu parce que voilà, je voulais là, vraiment l'utiliser pour finir les pots. Là, je sais pas ce qu'il y a eu. Ben, ça va, les poubelles. Ah oui, quand j'ai fait du tri, j'ai retrouvé des choses. Oh là là, je vous dis pas. Il vous faut un stick UU aussi. Hop, je vais passer celle-ci peut-être aussi après si j'ai pas assez de taqui. Un stick UU, donc je vais vous montrer pourquoi, ça. Et aussi, moi, j'ai tendance à prendre, alors, ou une pochette plastifiée classeur, hein, puisqu'elle est plus basique, ou alors, une petite pochette Action, vous savez qu'on utilise pour le rangement. Moi, je vais plus taper dans une pochette classeur. Là. Vu que je vais en faire plusieurs, autant prendre une pochette classeur et puis comme ça on est tranquille, on met tout dessus. Hop, voilà, une pochette hein, basique. Hop. Voilà. Et on est parti pour le tuto. Donc, pochette. Un rond, enfin deux ronds, donc je vais faire deux roses, enfin j'en ferai un avec vous, puis je ferai une autre couleur avec vous après. Ensuite, dimension de ficelle. Alors j'ai pris ça parce que c'était une chute que j'avais déjà préalablement coupée pour je sais plus quelle occasion. Là j'ai du combien, je saurais même pas, je sais même plus la dimension que j'avais pris l'autre fois. C'est quoi, 42? Oh là, c'est trop long. 42, 30. Ouais, là, c'est beaucoup trop long. Donc, prenez à peu près. Je saurais pas vous dire. Je prends un morceau et puis on verra après. Je vous redirai la dimension pour la suite. On est où là? C'est bon. Vous êtes bien. Allez. Alors, c'est simple. Donc. Vous faites un nœud sur votre ficelle, votre laine, votre cordon, ce que vous voulez. Moi, je fais trois fois un nœud au même endroit.
Hop. Je viens couper mon surplus. Hop, voilà. Je viens mettre de la colle UU au milieu de mon rond. Enfin, j'essaye de centrer la colle. Je mets de la colle au milieu. Voilà. Ensuite, le petit nœud que vous venez de faire, vous le plaquez entre votre pouce et celui-ci. Vous le plaquez comme ça, qui bouge plus. Et vous venez faire tourner la laine autour de votre nœud en serrant un petit peu. Hop. Donc c'est un coup de main à prendre. Vous allez voir, vous allez vite le prendre hein, si vous en faites plusieurs. Donc mon morceau de laine est beaucoup trop grand, hein. Là je vous confirme. Mais je vous dirai la dimension tout à l'heure qu'il faudra prendre. Donc vous venez plaquer et vous tournez un petit peu votre laine entre vos deux doigts. Voilà. En serrant un peu. En fait, ça va vous former votre milieu de rond. Vous allez voir. Vous le faites... j'ai foiré. Je l'ai trop fait. Donc vous faites une fois... Deux fois, vous le faites 3-4 fois à peu près. 3 et 4. En fait, il faut que vous ayez un départ. Et il ne faut surtout pas bouger vos doigts comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, 3-4 fois. Et en fait, ce que vous aviez entre vos deux doigts, vous venez le poser au niveau de votre rond. Et comme vous voyez, ça vous fait le départ. Tout simplement. Oups. Vous voyez, vous avez le départ de votre rond. Et ben là, vous n'avez plus qu'à venir mettre un peu de colle. Rajouter un peu de colle. Donc vous prenez la colle que vous voulez. Moi, c'est de la Taki. C'était vraiment, comme je vous ai dit, pour finir le pot. Donc en fait, le scotch UU vous permet de le stabiliser au départ. Et vous venez mettre de la colle sur votre rond. Donc, ben, vous allez vous en mettre plein les doigts, hein, ça je vous le dis, hein. Je pense que vous vous en doutiez. Et là, vous n'avez plus qu'à maintenir votre centre et tourner votre ficelle tout autour. Donc moi j'ai pris la Taki parce qu'elle sèche et elle ne fait pas de traces de colle en séchant. Donc là, c'est pas évident de vous montrer. Alors... Je vous rapproche un peu. Donc là, il ne faut pas hésiter, voilà, à rapprocher votre laine et vous tourner. Tout en maintenant un peu appuyé votre laine. Voilà, donc vous venez remettre un peu de colle s'il y a besoin. Hop, pardon, ça a bougé, excusez-moi. J'ai un peu de colle sur mes doigts et du coup ça bouge. Donc j'ai vraiment trouvé l'idée très intéressante. Ça permet aussi, bah, comme d'habitude, d'utiliser ce qu'on a dans nos tiroirs. Alors, voilà, ça me colle les doigts. C'est atroce. C'est ça que je vous disais, faut pas hésiter, faut pas avoir peur de vous coller les doigts. Hein. Et là, on continue à tourner jusqu'à être au bord en fait de votre cercle. Voilà. Moi, j'ai tendance à retourner mon cercle et à appuyer un petit peu le tout pour faire tout adhérer. Hein. Voilà. Et ensuite, je viens finir de mettre un peu de colle. Là. Pour finir, en fait, de coller le tout. Hop.
vraiment pas évident à vous montrer en vidéo, hein. Et donc là, je viens coller pour terminer mon cercle. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh ben, il vous suffit de couper en fait votre excédent de ficelle ou de corde ou de laine ou de ce que vous voulez. Et de terminer de coller le raccord. Et le voilà, ça vous fait un rond. Donc au niveau dimension, là je peux vous le dire combien j'ai pris. Hop, non, ça partait de là. Donc en dimension, j'ai pris. Hop. Alors avec une règle. Là, il y a 30. Il y a à peu près. Là, il me reste 40 cm sur une longueur de. Donc 40 cm sur une longueur de. Alors attendez, 42, 34, j'ai dit 40. Ouais, il faut à peu près une quarantaine de centimètres pour pouvoir faire un petit rond. Voilà, tout simplement. Donc le premier il est fait, et ben on continue. Donc là je vais prendre du violet. C'est les couleurs que j'avais pas faites hors caméra. Donc du violet. Donc là, bah, je vais tester au niveau longueur, ce sera plus simple. Je vais prendre du... Par rapport à ma planche de découpe, ma planche en verre, je prends du 42 cm. Voilà, 42 cm de longueur. On va essayer, ce sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Donc là, bah, même système, je viens faire un nœud, enfin, trois nœuds. Trois nœuds, c'est peut-être trop. Après, ça dépend la grosseur de votre laine. Là, je vais en faire que deux. Pareil, je viens couper l'excédent. Tac. Je viens prendre un rond. Là, je vais pas prendre la taquille. Je vais prendre de la glupen. Toujours de chez Action. Hop. Je vais venir mettre donc du stick UU. Hop, pour le départ, hein, comme tout à l'heure. Hop, même système, je prends mes deux doigts, je bloque mon nœud et je tourne ma laine. Une fois, deux fois, trois fois. Hop, encore une fois. Ça me permet de préparer mon rond et j'en colle sur mon cercle. Et je n'ai plus qu'à tourner au niveau du cercle. Donc tout dépendra, voilà, la ficelle, la corde, la laine que vous utilisez. Et il y aura de toute façon un rendu totalement différent, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Voilà, et vous tournez. Donc j'ai vraiment trouvé l'idée très très sympa. J'ai dit, bah, faut que je le partage avec les filles. Comme je vous dis bien, l'idée ne vient pas de moi. Mais j'ai trouvé l'idée vraiment très bonne. Et j'ai dit, bah, c'est une idée à partager avec tout le monde. Alors, je viens mettre un peu de colle là. Alors, c'est peut-être bouché, je sais pas. Bon,
mais je ne l'ai pas utilisé, ceci. J'ai l'impression que la colle descend pas. Alors la colle descend mais pas du bon côté. Alors attendez voir. Je vais pas utiliser cette colle là. Ça descend mais pas du bon côté. Que je voudrais que ça descende. Forcément. Hop là. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? Prendre la colle photo. C'est de la taquille, j'en ai plus. Allez, je vais prendre la colle photo. Chacun avec elle, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la fameuse colle que j'avais trouvée chez Noz. D'ailleurs, quand je suis retournée à Noz, j'ai regardé s'il y en avait, mais malheureusement, il n'y en avait plus. J'aurais bien pris les types qui restaient dans le bac. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui va chez Noz, donc je pense que. Quand on trouve un produit chez Noz, on le prend tout de suite parce que si vous avez le malheur d'y retourner 2-3 jours après, eh ben, vous ne retrouvez pas ce que vous aviez vu avant. Alors, hop, je tourne. Je suis désolée hein, si je mets la main devant. Mais voilà, si je tourne ma corde. Pour terminer mon rond. Donc vous voyez, j'ai pris 42 cm, j'ai pris trop. Après aussi, au niveau longueur, ça dépend comment vous serrez votre laine. Hop, voilà. Donc je vais vous dire hein, combien il reste en centimètres de laine. Voilà, ben, mon rond est terminé. Voilà, ça en fait un deuxième. Hop, très sympa. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup l'idée, moi, perso. Ça m'a bien plu. Et même à y faire, c'est sympa. Il me reste une longueur de 7 cm. Il me reste 7 cm de laine. Donc du coup, bah, 7 cm. Ouais, il faut prendre à peu près 35-36 cm de laine. Voilà, à peu près. Hein. Donc là, je vais essayer avec ma twine noire et blanche. Et puis après, je vais en rester là avec le tuto. Je pense que vous avez compris le système. Donc là, ma twine blanche et noire, j'ai pris 37 cm parce que je fais le nœud, donc le nœud va en prendre un peu et on en coupe un petit peu aussi, donc du coup prévoyez un petit peu plus. Voilà, je vous ai dit 35, là j'ai pris 37, au moins comme ça je suis sûre d'avoir ce qu'il faut. Hop, là je vais en faire 3 nœuds parce que du coup mes 2 nœuds se sont décalés. Je suis désolée hein, je vis au bord d'une route, j'espère que vous n'avez pas entendu le camion qui vient de faire du bruit. Hop. Voilà, donc j'ai fait mes nœuds. Je serre bien. Je coupe l'excédent. Je prends un rond. Hop, je prends mon sticu. Voilà. Hop. Je prends ma petite twine et je tourne. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, plus votre ficelle sera grosse et plus ce sera simple à travailler. Là, j'ai vraiment utilisé 3 ficelles qui sont d'une nature pas trop fine. Et du coup, franchement, c'est top pour la réalisation de ceci. Donc comme je vous disais, plus c'est fin et plus c'est compliqué à réaliser. Et là, on tourne. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais être nickel au niveau longueur, du coup. Hein. Donc, 35. Ouais, j'ai pris entre 37 et 38 cm.
Là, j'ai pas de chute, donc je vais venir mettre un peu de colle ici pour finaliser le collage. Après, si vous voyez qu'il vous reste un petit peu de rond au niveau du carton, hein, si on le voit, bah, vous embêtez pas, vous coupez léger et puis vous supprimez votre carton, hein, du temps que vous avez la forme ronde. Après, moi je pars sur du rond, mais après on peut partir sur du carré, on peut partir sur du rectangle, on peut partir sur du rectangle, pardon, carré, triangle, aussi du triangle. Après, tout dépend de vos perforatrices, hein. Moi je pars sur du rond, mais on peut partir sur du carré aussi. Voilà, carré, triangle, losange. Après, il y a plusieurs façons, hein. L'idée du rond était sympa, après ça peut être d'autres formes. Hein. Vous n'êtes pas obligé que de partir sur du rond. Et voilà. Alors, je vois que là, pas totalement collé. Donc, je vais remettre un peu de colle ici. Voilà. Et voilà, mon troisième rond est terminé. Voilà, les trois petits ronds que nous avons fait ensemble. Donc j'aurais plus qu'à faire des doublons pour avoir un double pour chaque couleur, comme je vous disais. Pour travailler en double ou pour travailler en simple. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit pouce en l'air, un commentaire si vous voulez. Ce sera au plaisir de vous lire. Voilà, moi je vais continuer mes petits ronds avec mes petites couleurs. Sur ce, je vous laisse. Plein de bisous, à très vite. Et bon après-midi à tous. Gros bisous, bye bye.